Fenna mandal letiye mi fa katya fo la sonore tarzuke hanna rakana se ke jindu chere dilo insuru da wadu sabe se sapa development mo focus la beaucoup de choses à la fois. Il y a des populations, il y a un niveau de vie. Faire une route de Zona à, je ne sais plus quoi, à Wantenga, ce n'est pas ça qui fait le développement, vous êtes assis, parce que vous êtes développé. Si on a fait une route dans votre quartier. Non, certes, elle peut être mobilisée, amener des gens à s'installer au bord de route pour faire du commerce, mais ce n'est pas ça le développement. Il faut d'abord que l'on arrive à dire, définir qu'est-ce que nous voulons d'un niveau à l'autre. Si vous prenez la population burkinabé, est-ce que tout le monde a le même niveau de vie? Quel est le niveau moyen de vie? Le salaire minimum, la qualité de vie. Le développement est déjà d'abord avoir la santé. Je veux dire, s'assurer que l'on a la santé. Surtout tous les problèmes. Que l'on a, se suffit sur le plan alimentaire. Que l'on peut se déplacer. Aller là où on veut, dans l'aisance. Et ensuite, que l'on produit et que l'on n'importe pas. On produit. On ne dépend pas de l'autre pour exister. La production est importante. C'est pourquoi nous soutenons ici l'agriculture et la transformation des produits de l'agriculture. Créer des richesses. Et ensuite, le développement, ce n'est pas un an de croissance que l'on appelle la plus développement. Et que cela se fasse dans le temps et planifié dans le temps, que vous puissiez faire un benchmark entre l'année M, avec l'année M plus 1, l'année M plus 3, l'année M plus 4, l'année M plus 5, et ainsi de suite. Et que vous voyez que vous avez une croissance. Et cette croissance, la restitution de cette croissance, cette richesse, c'est fait au niveau de la population, que le panier de la ménagère s'améliore. Lorsque vous pensez que développer une ville suffit pour dire que l'on s'est développé, quels sont ceux qui, en réalité, profitent? Donc, il y a d'abord, justement, créer la richesse, créer la croissance, créer la plus-value, mais également repartir la deuxième phase, la répartition de cette richesse au niveau des populations, qu'elles aient un niveau acceptable. Nous avons des indices d'évaluation de la croissance et du développement. Lorsqu'on classe le Burkina en disant c'est un pays pour peu développé, c'est qu'il y a des indicateurs. Dans ces indicateurs, il faut que nous aussi, on discute, on savoir est-ce que nous allons reprendre les mêmes indicateurs pour les pays européens, pour les pays occidentaux, pour les pays américains, pour appliquer ici, faire du couper-coller, où nous avons nos propres indicateurs de croissance et de développement. Si aujourd'hui je vous donne un vélo, vous allez dire, monsieur Koumbou, ne me respecte pas. Mais si je vais au village, je donne un vélo à un paysan, on me dit, mais écoutez, il a changé ma vie. Je peux aller dans mon champ, je peux aller porter du bois de chauffe, j'améliore sa qualité. Combien de sens c'est dans qui ont des vélos au Burkina Faso? Et ces vélos sont produits. Ils sont tous importés. Les seuls vélos que nous avons dans les années 60 ont été, ces unités ont été fermées. Et nous importons tout. Ça veut dire tout simplement que nous créons la richesse pour ceux qui sont en train de mettre des unités chez eux. Nous sommes des sociétés de consommation. Une société de consommation va se plaire et se complaire d'être. Nous sommes loin de vivre. Si je me fais comprendre, peut-être qu'il faut encore plus de temps pour venir à mon école.